Bienvenue à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous retrouvons sur Resident Evil Révélation 2 pour justement l'émission du jour cette fois-ci. Donc on reprend Claire, là c'est sûr on sera forcément au niveau 40, habilité 2, donc on va la vérifier un petit peu. On peut encore augmenter le bouclier qui sera bientôt au max, donc ça va être très très bien. Ouais, éventuellement comme je vous ai dit, après ce sera dur à cuire. On va vraiment se la jouer défensif. On peut pas le faire avec tous les personnages, hein, comme Barry, on ne peut pas. Donc il va falloir être plus réactif. C'est vrai qu'on a encore... Alors, attendez. Compléter la campagne, compléter l'opération 8 en normal. Obtenir 50 badges général. Oh, ça va encore, en fait. C'est pas compliqué à faire. On regardera juste les costumes, mais je reste avec le costume de base. Parce qu'ils sont sympas. Alors, ce sera Hank, jamais utilisé, il me semble. Ça va être sympa. On va pouvoir voir justement l'un des méchants de Resident Evil. Ça va être sympa. Donc on gagne quand même maintenant plus de 100 000. Je crois que j'avais vu 109 000. C'est énorme. En expérience, c'est pour ça que je vous ai dit. Hein, au fur et à mesure, on gagne énormément d'XP. Bah ça, c'est le meilleur des exemples. Ça va pas être compliqué ici. Hop, allez, hop. 3 de moins. Fusil d'assaut. Oh. C'est vrai, j'ai dit, les ennemis peuvent être plus redoutables. Je crois qu'il va tirer plus rapidement, lui. Hop. Non, mais il va tuer son pote. Voilà, parfait. C'est ce que je voulais faire, en fait. Ça m'évite de m'embêter. Voilà. Oh là là. Parfait. Au corps à corps, on peut les tuer tranquillement apparemment. Ça va être sympa. Oh, ah non. Scheiße. Ça c'est pas drôle. Oh là là, je me prends une sauce là. Bon allez, c'est parti. On va le choper. Normalement je peux l'avoir au corps à corps. Alors quand est-ce que je peux l'avoir au corps à corps? Explication. Quand je lui fous ça. Bon là ils m'ont embêté, hein. Je crois que je vais sortir le fusil à pompe après. Hop, et ça part. Wow, 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 wow. On l'a vu. Toi, tu te calmes. Et tout de suite. Bon, on va essayer de le tuer, lui, en priorité. Voilà, très bien. On va essayer de faire la technique de... Je chope tous. Voilà. Comme ça, j'ai pu faire mal à notre petite tête de fer. Ah, j'ai cru que je lui mettais la petite tête, mais non. Oh là là. Ah, d'accord. Oui. Effectivement, s'il doit recharger, c'est un peu embêtant. Bon, d'accord, ils veulent pas me laisser recharger. Va falloir, les amis. Va falloir. Va falloir me laisser me recharger. Laisse-moi faire ça. Voilà. Très bien. Stop it. Ouh, punaise. On se calme. Maintenant, on peut se charger deux avec le fusil à pompe. Ça tombe très bien. Yep. Petite esquive. On le fonce dessus. Petit coup de pied. Fusil à pompe, voilà.
Et on le traîne même son cadavre. Pas encore un de signe. J'hésite. Il me semble qu'il y en a encore un après. Et tu te calmes. Ah non. Bon, lui commence à me péter, hein, les roues flaquettes. Go. Voilà. Et celle-là, tu te la chopes. Faut pas exagérer quand même, ils vont pas me faire perdre mon temps là. Je veux pas faire tout le tour, hein. Ça suffit, fusil sniper, on n'en parle plus. Bon. Hop. Presque 42 alors. Ça monte vite. Zéro absolu. Niveau 5 quand même. Direct. Vous voyez que ça sert. Les challenges servent. Véritablement. Si vous avez pas envie de trop dépenser, faites les challenges. Après, je les regarde pas tous, donc je sais pas sur ce qu'on tombera quand comme challenge. Mais faites-les. C'est un bon conseil. Donc, un nouveau personnage qu'on va utiliser. D'ailleurs, personnage fort intéressant, vu que tout est débloqué. Donc là, on va pouvoir se faire plaisir. On va pouvoir se faire plaisir. J'hésite. Sachant qu'un dragon neuf, c'est intéressant quand même. Mais ça, c'est une excellente forme de frappe aussi. J'hésite. Parce qu'un magnum, oui, certes, mais il n'y a pas tant de balles. Hein. Quoi qu'on pourrait peut-être le remplacer. Non, on va pas le remplacer. On va laisser tel quel. Donc c'est parti. Allez, un qui va gagner très peu d'XP au début. Hein. Première fois. Bon, moi c'est bien. On change de personnage. Moi ça me dérange pas en fait de changer de personnage. Le temps que je reste... Oh là 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 là. Oh d'accord. Attendez, c'est quoi? C'est une attaque au corps à corps? Non. Mais c'est fumé as fuck. Ah oui, non mais là c'est bon. D'accord. Mais très bien. Mais très très bien. Mais moi ça me va ça en fait. Hein. Non, toi tu te calmes par contre. Ah mais ça me va très très bien en fait. Ouais, c'est complètement craqué. D'accord, je comprends pourquoi déjà personnage un peu plus cheat... Enfin, des personnages cheatés, hein. Ah, rien que déjà, rien que... Bah, on le voit, hein. Monsieur, je vous ai pas demandé de venir. Vous descendez. Et je vous flingue. Ah et non, mais là, c'est... Là, je trouve que c'est fumé, par contre. Une invisibilité, c'est... Ouais, c'est ouf. Mais est-ce que ça marche véritablement avec tous les mobs, tous les monstres? T'es la question. Là, j'ai oublié de regarder s'il y avait des costumes pour lui. Je pense que oui. On va en avoir. Bon, on va utiliser un peu de fusil d'assaut. Je me disais, Wesker, ça va être complètement craqué. Mais non, en fait, pas du tout. Hein. C'est la Hung. C'en est une bonne preuve. Hein. Moi, je peux vous le dire. Un personnage avec de l'invisibilité, c'est complètement broken. Et attendez. J'ai pas vérifié, mais... J'avais bien beaucoup de balles. Pourtant, j'ai utilisé que ça. On est d'accord. Non, me dites pas que j'ai eu la capacité. Ah non, pour lui, le fusil d'assaut, c'est trop bien. Alors, il a plein de balles. Oui, ben toi, va-t'en. Ok. Non, j'ai disparu. Coucou.
Oh là là. Oh non, c'est craqué. On n'explose même pas. On fait ce qu'on veut avec les ennemis. Oh là là. Bon là par contre j'ai peut-être merdé parce que j'aurais peut-être pas dû faire ça en fait. Là je pense que je vais le sentir passer. Ouais, je vais le sentir passer. Tant pis. Vaut mieux faire ça. Plutôt que de se prendre une explosion, se faire one shot. Ah ouais, non, c'est fumé. Oh. Calme-toi. Je crois que tu dois avoir un mal dedans. Oh oh. Parfait. Non, non, toi, tu te calmes. Boum. Oh. Et merde. Et merde, je me suis fait gicler dessus. Non, non, mais là, c'est vraiment fou. Capacité Predator, je vous la conseille fortement. Donc, ouais, on a vraiment un personnage de qualité, là. Je peux vous le dire. S'il y a trop de monde, vous devez faire du nettoyage, Predator, et puis voilà. Vous êtes tranquille. Donc, on a combien de balles? Ok, c'est 190. Pas être non plus trop abusé. Donc je comprends pourquoi Link va être souvent prisé. Parce que j'avais vu une vidéo avec justement une personne qui montrait un événement. La personne était de niveau 20. Elle a voulu faire un événement de niveau 70, donc déjà elle s'est fait one shot. Mais le mec utilisait Hunk, donc je comprends pourquoi. Il peut enlever l'aggro, tout simplement. Et il massacre tout le monde. En plus, vous pouvez faire des attaques discrètes. C'est bien. Non, c'est super. Bon, déjà Pedro, c'était pas mal dans son genre. J'en avais pas eu autant, moi, avec justement les missions standards. C'est même étonnant, je trouve. Oula. Par contre, quand on est accroupi, j'ai l'impression que la précision... Oui, certes, elle peut être un peu plus forte, mais quand vous donnez des à-coups, c'est pas vraiment ça. Hein. On va se calmer. Ah bah, c'est ce que j'ai. Recule-toi. C'est pas vrai, je suis pas là. Je vais me mettre invisible hein, s'il faut. Bon, quoi que le nom, pas besoin. Juste recharger toutes mes armes. Sagement. Je vais chercher les munitions. Voilà, on fait le petit tour. Doucement, tranquillement. Sans pression. On va pouvoir tuer les ennemis. Voilà. Il est mort. Ça pouvait être le plus chiant, mais bon. Ça va. Hop là. C'est pas parce que je ne regarde pas que je... Pas... Savoir où tu es. Parce que tu fais du bruit. On va regarder les munitions, ce qu'il y a. Et du pistolet, ouais. Bah, pistolet, on avait déjà bien utilisé, donc c'est parfait. On peut qu'à utiliser le fusil à pompe, on peut finir la mission. Ici, déjà. Là-bas, ici,
Il y en aura un sur le côté. Et ce sera fini. Hop. Donc là, on a notre Iron Head qui vient de devenir. Oh, trop stylé! Je la reveux. Oh! Elle est stylée, son attaque à lui. J'aime bien. Eh, toi, tu te calmes. Tu sais quoi? Meurs. Oh, c'est trop fort. D'accord. Bon. Bien sûr, Hunk est un personnage payant normalement. Hein. Sauf si vous achetez le plus gros pack de Resident Evil Révélation 2. Personnage que je vous recommande tout de suite. Waouh. Ah oui, là ça rigole clairement pas. Parce que le personnage, quand les ennemis sont à terre, il leur fout 3 balles quoi. Y a pas de soucis, 3 balles qui sont même pas comptées dans vos munitions, il me semble. Donc ouais, c'est fort intéressant. Donc on sera quasiment niveau 4. Ah, je vais regarder parce que si ça se trouve, c'est par rapport aux habilités passives. Oui, passives. Pas les actives. Dans les actives, on a Prédateur qui est vraiment sympa. Pour le coup, là, c'était vraiment cool. On va regarder un petit peu, éléments d'armes, il doit en avoir. Cette arme. Oh. C'est quand même 10 000, hein. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Là, on est du niveau 41. Ça, c'est la piteuse arme que j'avais. Que j'ai revendue parce que je pense que j'en avais en double. Ouais, je l'avais en double. Et je vais regarder un petit peu ses habilités parce que là, je trouve ça trop craqué. Alors, il y a quoi après? Flacon électrique. Après, c'est les trucs standards, quoi. C'est fumigène, on va pas le prendre. On va essayer de se baser plutôt sur... parce qu'on peut déjà être invisible. Donc, à mon avis, eux, ils veulent vraiment se baser sur la furtivité avec lui. Et en... en passif, on a santé. Ouais, bon, malheureusement, là, les couteaux, on n'utilise pas des masses, vu que sa capacité pour attaquer... c'est autre chose. Désigné pour mourir, ouais, bon. Éventuellement. Alors, ouais, bon. Il n'y a pas de bouclier. C'est, on va dire, le petit point faible. Parce que là, il aurait été vraiment, je pense, très très abusé. Et heureusement. Mais bon, c'est relativement correct. Hein. Il n'y a pas de souci à se faire. Je vais vérifier, parce qu'apparemment, tout le monde peut avoir autant de munitions. C'est juste moi qui fais peut-être pas attention. Parce que après, je trouve que ça sert à rien d'avoir un rechargement plus rapide. Parce que y a tellement mieux qu'un rechargement, honnêtement. Et bah voilà. Déjà niveau 9 sur la santé avec Hunk. C'est parfait. Bah voilà les amis. On se retrouvera donc pour de prochaines aventures sur Resident Evil Révélation 2 pour le mode commando. Je vous dis donc à très bientôt et salut à tous!